Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce Let's Play sur Lego Marvel's Avengers. On se retrouve dans la ferme de Barton pour finir ce qu'on avait commencé, donc à savoir essayer de compléter la zone, hein, parce que maintenant qu'on a enfin un mec qui peut comment dire, qui peut creuser, voilà, je cherchais le mot. On est plutôt tranquille de ce côté là, donc on devrait pouvoir s'en sortir. Je pense que what tête d'œuf, d'accord. Je pense que maintenant on a à peu près tous les pouvoirs qu'il y a dans le jeu, a priori. J'espère. Alors on va essayer de tout débloquer, y compris ça. Il y a un truc là-dedans. D'accord, ça m'aide pas du tout. Il y a encore le T-Rex. Le problème c'est que vu que j'ai rechargé la partie, enfin j'ai rechargé. Je me demande s'il faut pas utiliser ça, mais je vois pas comment. Alors est-ce qu'il faut vif argent? J'en sais rien. Non, c'est pas ça. Faut peut-être un véhicule du coup. Je sais pas trop. Oui. Ah, il y a encore Squirrel Girl là. Oh putain. Formidable, faut que je trouve des écureuils maintenant. Alors, il y en a un qui doit être par là. Là. Il y a des moutons. Vous auriez le temps pour faire un peu de jardinage en urgence. Alors, il y en a un autre qui doit être par ici. Il doit se planquer derrière, voilà. Putain, les cochons qui pop comme ça. De deux. Ça va que c'est indiqué sur la mini map où est-ce qu'ils sont. Enfin, il est indiqué grossièrement, mais ça passe. Voilà. Bon, je passe les dialogues, parce qu'honnêtement, on s'en branle. Voilà. Ça, c'est fait. Là, visiblement, ah, et c'est une course. Si c'est une course, elle est là. Bon, là, ça va, il n'y a pas trop d'obstacles. Je sais pas combien de temps ils vont me faire tourner en rond comme ça. Enfin bon. Ah, Stanley qui parle. Voilà. Tracteur d'œil de faucon. Les grosses ambiances. Voilà, d'accord, maintenant il faut trouver ses fringues à elle. De mieux en mieux. Oh putain, elle... ah non, elle est au-dessus, c'est au-dessus. Ah voilà. Ah! Voilà. Ça c'est bon.
A priori, ça serait par là. Ah, peut-être dans le blé. Non. Ah, je le vois pas. Je vois pas les fringues. Ah bah si, je l'ai eu, d'accord. Il était vraiment planqué dans le blé. Normalement, il y a au moins une petite lueur qui l'indique, mais là, que dalle. Où est-ce qu'elle est? C'est pas elle. Elle est où la sorcière rouge? Ça, c'est Black Widow. Je me rappelle plus. Ah là. Bon, j'aurais pu prendre quelqu'un d'autre. Voilà. Prends des vêtements, voilà. Hop là, il y a une course. Oui, c'est parti. Pour l'instant, ça va. Espérons qu'il ne fasse pas faire plusieurs fois le tour de la maison. Ça a l'air bien parti pour ça. Ah, là, apparemment, il y a une zone où il va falloir combattre un gros truc. Enfin, un gros truc. Ok, le pick-up. D'accord, alors Captain. Ça, faut le savoir que le truc qui est derrière, ça active ce qu'il y a ici, quoi. Faut le savoir. Bon, visiblement, il y en a qui sont à l'intérieur de la grange aussi. Ah non, il y en a un qui est là. L'un qui est là, il va me falloir œil de faucon. Voilà. Ah mais il y en a d'autres. Troisième, il doit être à l'intérieur.
Ah, là il y a un radar. Oh, est-ce que c'est ce qui me manque? C'est possible. Bingo. Yay. Je vais aller chercher tout de suite avant qu'il soit trop tard. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, il y a des trucs quand même à l'intérieur à prendre. Alors... Ouf. Ah oui, d'accord, parce qu'il y a un truc derrière, c'est bien planqué ceci. Il y avait une toile d'araignée là, hop. Ok. Là-haut, il y a quoi? Il y a la toile d'araignée qui me manque derrière le truc. Voilà! Tout simplement. Alors là, visiblement, il n'y a plus rien. Je vais reprendre temps, on va aller faire le combat qui est à côté. Contre qui on va se battre? Quoi ce truc? Ah, c'est un serpent. C'est pour ça. Ah mais quel noob! C'était nul. Ah mais c'est Stanley. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Faut que je la dirige vers le poulailler. La base. Vous auriez le temps pour faire un peu de jardinage en urgence? Allez, viens là, Mantis. Je m'entraînais à communiquer avec les végétaux du coin, mais il semble que j'ai fait quelque chose de mal sans le savoir. Je ne vous embêterai pas avec les détails, mais... Bon, en fait, j'ai dit quelque chose, les pissenlits l'ont dit aux tulipes, les tulipes l'ont mal interprété, et maintenant, toute une armée végétale terro... D'accord, faut le foutre sur la gueule à les plantes, visiblement. Attention, comme on dit, il n'y a pas de rose sans épines. Et ces plantes horribles ont sûrement plus d'un tour dans leur sève. Ça va plus vite avec Thor, on a un bon coup de marteau sauté et c'est tranquille. Et si nous battions les buissons? Ah.
Et le 3. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, par là, encore un truc. Alors là, il me faut œil de faucon. Merde. Ok. Ah d'accord, c'est qu'il y a un truc à creuser, mais comme je vois pas d'ici. Ok, hop là, ça c'est bon. Alors je vais mettre une armure, je vais mettre laquelle? Tiens, c'est pas la même animation. Je préfère celle-là, perso, l'animation. Bon. Alors, là il y avait un truc mais je sais pas comment l'avoir. Ici il y a quelque chose visiblement. Ok, il y a trois trucs, il y en a un qui est rouge. Ah. Non, on va te laisser toi. Avec l'autre, on va prendre Thor. Ou. Ah, il y a Black Widow, tiens, attendez. Ça. Ah bah ça marche pas avec elle, je croyais pourtant. Ah c'est peut-être pas la même version. Voilà. Il n'y en avait qu'une version que ça marche. Voilà. Oh merde. Là. Faut que je recharge le truc peut-être. Là, ça m'a l'air d'être bon. Laura Barton, ah bah voilà. Ça c'est bien déjà. Bon alors ça, ça me dit pas comment je suis censé machiner. Derrick a un X dessus. Ah là je vois pas. Celle-là je vois vraiment pas. C'est peut-être un pouvoir que j'ai pas encore. Ça me paraît bizarre, mais c'est possible. Oh là, alors là par contre. Ok. Sauf ces casse-têtes super marrants, évidemment.
peut-être commencer par lui, tiens. Bon sang, j'étais fou de joie quand maman m'a dit qu'on allait rester Butterball. Dans l'œil de faucon. Tu parles, j'ai vite déchanté. Œil de faucon n'était même pas là pour répondre à toutes mes questions. Mais bon, j'ai pu faire le plein de super-héros autrement. Vous pensez que vous pouvez m'aider à faire un selfie avec Hulk? Mais qu'ils ont tous avec les selfies avec Hulk, sérieusement? Il y a tellement d'endroits où dormir dans une ferme. Peut-être dans la grange. D'accord, Butterball, je sais même pas qui c'est, grosse ambiance. Ouais, y a toujours ce truc derrière, mais je ne sais pas ce qu'il faut faire avec ça. Ouais, on va prendre elle parce qu'elle est agile au moins. Ok. En même temps, par là, c'est vrai que ça, c'est pas gagné déjà de base. What? Ah oui, d'accord. Ok. Maintenant, faut que j'arrive à grimper. Une échelle là. Hop là. Putain, c'est quoi la vache? C'est chaud. Ouais, des fois c'est un peu bizarre hein, la façon dont il s'accroche alors qu'il a il touche même pas les trucs. Ah bon. Ah merde. Évidemment. Un coup tu me vois, un coup tu me vois plus. Et là, paf la pastèque. Alors ça, c'est bon. Il me reste plus grand chose. Il me reste un bonhomme qui doit être à l'intérieur de la maison. Je pense. Si on peut y rentrer. C'est peut-être pas dit. J'ai pas l'impression qu'on puisse rentrer. Ou alors c'est au-dessus. Sur le toit peut-être. Bon. Ah. Mais non, putain. Là, il y en a un sur deux, il est où l'autre? Merde! Faut que j'en trouve un deuxième. Je sais pas où est-ce qu'il va être. Je trouve un deuxième truc comme ça.
J'espère qu'il est pas planqué trop loin, quoi. Fais chier. Où est-ce que je vais le trouver, ce machin? Ah, attendez, là, il y a un truc bizarre. Non, c'est pas ça. Bon, j'en ai bien trouvé un, mais j'ai pas trouvé l'autre. Ah bah d'accord, il était juste de l'autre côté, tout simplement. Fallait que je tape sur les tuyaux par ici. Merde. Ok. Œil de faucon, mais la version 4 Bishop. Bon là ça m'aide pas du tout. C'est quoi tous ces trucs là? Ah, c'était peut-être pour ça aussi que ça marchait pas. Quel mongolo. De fuc. Oh merde. Là. C'est mieux. Voilà. Alors, est-ce que j'ai tout dans la zone maintenant? A priori, oui. A priori, j'ai tout. Ok. Eh ben, écoutez, alors ce qu'on va faire, on va essayer d'acheter le maximum de persos possible. Ah oui, j'ai déjà plus de thunes pour la plupart. Daredevil, je peux pas. Gorilla Burger, je peux. Ouais, 3000 là c'est chaud, mon avis, c'est mort. Comme quoi les pièces ça va vite, hein. C'est pour ça qu'il faudra essayer d'avoir les briques rouges. Bah écoutez, sur ce, on va se quitter là-dessus. Voilà, on a fini tout le niveau. A priori, je vais vérifier quand même. On va aller dans l'espace, c'est la meilleure façon de le voir. Mais normalement c'est bon, donc de toute façon, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Voilà, c'est bon, j'ai tout. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Et la prochaine fois, promis, on fait ça. On va être perdu dans les termes. Je pense que c'est par rapport avec le film Thor 2, je pense. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. Et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures sur Lego Marvel Avengers. A plus !